Hello, hello! Alors, la petite vidéo talactouche avec ton casque de vélo. C'est parti, cocotte, en avant! Donc, je suis en direct de la forêt de Lacano où je suis donc depuis une semaine, pas dans la forêt, mais à Lacano. Quoique je suis dans la forêt quand même pas mal. Et voilà, et tout ça pour dire que non, je ne suis pas en vacances, mais non, je ne travaille pas non plus. Et en fait, la barrière entre les deux. Bah pour moi, elle n'existe plus. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, hein, qui ferait que finalement, il n'y a plus de séparation, vie perso, vie pro, tout ça. Mais au final, je fais tellement, déjà, un boulot que j'adore et avec un rythme que j'adore. Du coup, j'ai pas cette impression, néfaste de travailler ou j'attendrai le week-end absolument. En fait, non, aujourd'hui, voilà, je suis en train de me balader dans la forêt. Juste avant, j'ai fait un coaching par Skype et puis ce soir, je donne un webinaire. Donc, du coup, je travaille, mais je kiffe aussi. Et c'est ça, en fait, ma mission de vie, en tout cas, c'est que vous puissiez vous aussi faire de même. Alors, pas faire la même chose, pas faire ce que je fais, mais en tout cas, être vraiment aligné avec ce qui est important pour vous, le rythme qui sera important pour vous et le type de boulot par rapport à vos talents, par rapport à qui vous êtes. Donc, la touche, j'adore le casque, c'est vraiment rigolo. Je le fais vraiment en mode à l'arrache, hein, tu vois, c'est pas prévu, j'ai posé le... le vélo là comme ça, c'est très joli, hein. Je sais pas si vous, voilà, c'est un petit sentier. Alors vraiment l'avantage ici c'est qu'il n'y a personne, mais vraiment personne, c'est à dire que depuis 4 jours, quand je me balade dans la forêt, il n'y a personne. Alors après je peux partir avec d'autres gens si je le souhaite, mais quand je pars seule, il y a nobody. Enfin moi j'aime bien. Après, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais chacun son truc, encore une fois. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir apprendre. Au-delà d'apprendre à vous connaître, c'est aussi savoir quel style de vie va vous convenir. Et c'est ce que je dis tout le temps dans mes coachings. La vie pro, ça passe vraiment... c'est à la fin qu'on commence à étudier ça. D'abord, on est sur la vie avec un grand V. C'est la vie personnelle, la vie spirituelle, la vie géographique. Est-ce que vous voulez vivre dans la ville dans laquelle vous êtes actuellement, ou vous avez envie d'être nomade comme moi, ou vous voulez être dans un autre endroit. La vie sociale, la vie... énergétique, enfin tout ça. Et puis après il y a la vie pro, voilà, et elle sera différente pour tout un chacun. Et dans la vie pro, c'est juste des activités qui vont être assez stimulantes pour vous et qui vont vous permettre de pouvoir vraiment offrir au monde tous vos talents, quoi, et tous vos dons. Et on en a plein, des dons et des talents. Et peut-être qu'ils vont bouger aussi. Vous pouvez très bien faire une chose qui vous fait kiffer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, puis au bout de 10 ans, soit ça vous saoule profondément, bah vous changez encore, soit finalement c'était pas tant le métier qu'il fallait changer, mais plus le style, la manière de le faire. Par exemple, moi pendant longtemps, je suis restée, donc j'ai fait tous mes coachings plutôt à Paris, je bougeais de temps en temps et autres, mais maintenant je suis à 90% hors de Paris. Et de toute façon, tous mes coachings sont par Skype ou téléphone, ou alors j'ai la méthode en ligne, et ça se passe très bien comme ça, et ça fait maintenant des années que je fonctionne comme ça. Donc voilà, il y a un moment, il faut toujours réussir à vous poser et à vous dire, attends, est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que je suis toujours bien dans ce que je fais? Et voilà, et est-ce que ça me ressemble, quoi? Est-ce que ça vibre? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis en joie? La bonne voie, c'est là où il y a de la joie, et ça je le dis toujours. Donc à partir du moment où il y a un truc qui commence à clocher, ou alors vous décidez de, voilà, vous essayez de vous remplir de manière pas forcément saine, c'est qu'il y a un truc qui déconne, hein. Donc on évite, enfin on évite, non on n'évite pas, justement allez à fond là-dedans, et puis prenez-vous le mur, enfin je vous souhaite pas de vous prendre le mur, hein. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont besoin d'aller au bout du bout pour entendre ce message. À partir du moment où on n'est plus aligné, où on n'est plus en joie, il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui est pas fluide dans nos vies, hein, je me mets aussi dedans. Donc du coup, voilà, je vais reprendre et enfourcher à nouveau mon vélo, mon fidèle destrier. C'est un vélo électrique, je ne connaissais pas, c'est génial. Alors bon, j'évite de le mettre en mode électrique dans la forêt, ce serait complètement con quand même de faire un boucan du tonnerre et d'éviter de voir les chevreuils qui sont magnifiques ici. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt avec cette magnifique touche. Moi, le côté égo et glamour, c'est fini.